Alors moi, l'une des hypothèses que j'avance, c'est que l'écriture proto-élamite, 3300, 3000 avant Jésus-Christ, et l'écriture élamite linéaire, 2300, 1900 avant Jésus-Christ, ne sont pas deux systèmes d'écriture distincts, comme c'est avancé à l'heure actuelle généralement, mais c'est un seul et même système à une phase ancienne et une phase récente, avec une phase intermédiaire qui n'est pas encore très bien comprise. Mais c'est quasiment les mêmes signes. Et donc là, en fait, maintenant que j'ai déchiffré la phase récente, eh bien, le prochain objectif, c'est de la phase récente, de remonter à la phase ancienne, comme pour le déchiffrement du cunéiforme qui s'est passé des textes les plus récents, d'époque achéménide, vers les textes les plus anciens. Donc, en Iran, et ça change un petit peu toute l'histoire de l'évolution de l'écriture, en Iran, on a un système d'écriture propre, indigène, indépendant, de 3300 à 1900 avant Jésus-Christ. Et ça change quand même pas mal la donne dans les histoires sur le développement d'écriture, parce que maintenant, c'est plus juste la Mésopotamie et l'Égypte, maintenant, c'est la Mésopotamie, l'Égypte et l'Iran, qui malheureusement étaient jusque-là passés à la trappe.